c'est comme ça, c'est nul. C'est pas juste. Mais t'es bête ou quoi? On a gagné. Eh bien, moi, j'aurais préféré perdre. Je n'aime pas jouer comme ça, d'accord? Mais tu vois pas qu'on est tous super contents? On a gagné. Et en plus, grâce à vous de ta copine. Tu vois? Elle n'aime pas jouer comme ça. Tous les 7 reviennent. Bah, je vous comprends pas. On a gagné avec un but légal, pas par un pénalty injuste. Effectivement, légal mais injuste. Je ne suis pas d'accord. Sans une petite aide, on ne jouerait pas d'égal à égal. Oui, mais on n'est pas dans la même condition si mes buts valent double. Effectivement, nos conditions diffèrent selon notre éducation, notre motivation, notre stimulation, notre condition physique. Le football, c'est la passion, c'est la force, c'est la lutte, c'est les combats, les contacts physiques. C'est la créativité, l'organisation, les dépassements de soi. C'est pour ça que nous n'avons pas besoin de cet avantage de but double pour les filles. L'avantage, ils l'ont sur nous depuis 1000 ans. Pas un double, mais un triple avantage. C'est pour ça qu'on a besoin de cette discrimination, mais c'est positif. Le football, c'est pas l'amitié et c'est pas la solidarité. Non, c'est pas l'égalité, c'est la compétitivité. Et qui a dit que nous, les filles, ne voulions pas être compétitives?